Mesdames, Messieurs, pour ne pas être trop en retard, alors avant de démarrer, je me permets de signaler que vous pouvez ou non porter le masque et qu'il n'y aura pas de jugement pour ceux qui souhaiteraient le porter, qui seraient peu, mais qui peuvent porter le masque. Donc, mesdames, messieurs, présents dans cet auditoire ou qui suivent la conférence sur les réseaux sociaux, puisque en direct, mais qui sera aussi retransmise en replay, sportifs confirmés, sportifs en devenir ou simplement sympathisants, au nom du Collège des directions du RHNE, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Le 9 décembre dernier, j'ai eu le privilège d'accompagner les collègues du service de médecine du sport à Olten pour la remise de la certification Swiss Olympique. Vous voyez là-bas, même en petit, le totem d'immunité en bas. Et cette certification, même si le panneau est très petit, récompense le travail de l'équipe de médecine du sport, les compétences et l'engagement en faveur des athlètes et de l'élite suisse. Et c'est pour nous une réelle fierté. Notre centre de médecine du sport est basé sur le site de Landeyeux, dans le Val-de-Ruz. Il propose une prise en charge médico-sportive adaptée aux athlètes, amateurs ou de haut niveau. Mais pas seulement, les prestations s'adressent aussi aux personnes atteintes dans leur santé. J'ai la chance, vous voyez que je n'ai pas un corps d'athlète, de pouvoir bénéficier des prestations de ce centre. Et c'est d'en apprécier chaque fois que j'y vais la qualité, puisque j'ai affaire aux collègues ici présents. Et puis, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous constatons l'intérêt du sujet. Nos excuses, du coup, pour le manque de place et les strapontins. Si jamais il reste encore juste une place par là et du strapontin un petit peu vers là-bas. Donc, nous allons traiter ce soir, enfin surtout mes collègues, les questions de performance en endurance, des difficultés, des pathologies au sport d'endurance et les moyens de prévention. Nous aurons la chance d'écouter Jérémy Barfous, physiologiste du sport, de l'effort, qui nous a donné quelques conseils dans la matinale de RTN ce matin. Michael Kukli, j'ai failli dire Curly, c'était une private joke, physiothérapeute spécialisé en réhabilitation du sportif, le docteur Michel Unkeller, médecin spécialiste du sport, et Ariane Willem, athlète de haut niveau, spécialiste du trail, qui s'illustre dans des courses internationales. Donc, je vais leur passer immédiatement la parole et juste vous dire que les présentations vont s'enchaîner et que les questions sont à la fin. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci d'être là nombreux, très nombreux. Je pense qu'on choisit chaque fois très bien notre invité d'honneur à chaque fois. Je pense que ça amène du monde, c'est bien. Donc, comme vous a présenté Madame Jeanneret, aujourd'hui, on va parler d'endurance. On a réparti cette présentation sur trois parties. On parlera de performance au début avec moi-même. De prévention avec le physiothérapeute Michael Kukli et de pathologie avec le docteur Michel Unkeller. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement. Je vais commencer par présenter notre invité d'honneur aujourd'hui, qui est Ariane Willem, donc spécialiste du trail, mais pas seulement. Elle travaille à côté, elle est infirmière aux ambulances des vallées neuchâteloises, AVM, coureuse chez Compress Sport, team international. Et puis, ben, quelques résultats marquants et pas des moindres. Première place à la Trans Grande Canaria Advance, 63 km, 2760 mètres de dénivelé positif. Première place à la mi-extrême au Montreux Trail Festival, 110 km, 8000 mètres de dénivelé positif. J'ai quand même mis le profil hein, pour qu'on se rende un petit peu compte de... Hein. Et puis, 9e place au championnat d'Europe de trail. Et là, on se rend compte que c'est très relatif, court, 40 km, 2300 mètres de dénivelé positif. Puis de commencer par un petit salve d'applaudissements pour. En tout cas, merci beaucoup d'être là avec nous. Le but étant qu'elle intervienne. À différents points, un petit peu. On a quelques petites questions à lui poser, puis qu'elle partage aussi un petit peu son vécu d'athlète
Donc voilà. On va commencer. Donc on va commencer par la performance en endurance. Sujet sacrément vaste. Je m'excuse déjà pour les choses que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Donc les paramètres de l'endurance sont vastes. Hein. Le spectre est très large. Hein. On veut parler de psychologie du sport. Maintenant, on sait que ça a un impact considérable sur certains athlètes. C'est un paramètre, par exemple, qu'on n'abordera pas aujourd'hui. La technique, la tactique de course, stratégie, toutes ces choses-là ne seront pas abordées aujourd'hui. Mais c'est quand même assez important de rappeler que l'univers, voilà, de l'endurance est très vaste, le spectre est large. Pour moi, aujourd'hui, dans ma partie, en termes de performance, on parlera plus physiologie, hein, la physiologie de la performance. Et même dans ce paramètre-là, j'aborderai très peu, par exemple, des questions d'alimentation ou des choses comme ça qui ont toute leur place aussi, qui auraient toute leur place aussi dans cette présentation-là. Au niveau de la définition, un petit peu pour introduire un petit peu l'endurance, on parle de capacité à maintenir une intensité d'action musculaire optimale hein, durant un temps défini ou objectif fixé. Exceptionnellement, le temps est indéterminé. Hein, si on décide de faire des pompes jusqu'à épuisement total, hein, donc là, ce serait un exemple d'endurance de temps indéterminé. Si on aimerait un petit peu compléter cette définition, c'est directement corrélé à la capacité du corps en fait à renouveler le plus vite possible l'énergie qu'il consomme. Et c'est vraiment cet aspect-là qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est cet aspect-là qu'on cherche peut-être le plus à entraîner. Et moins un aspect comme augmenter ses réserves énergétiques. Hein, oui, l'entraînement en endurance permet d'augmenter ses stocks d'énergie, de glycogène, mais on est très rapidement à son maximum, à son optimal. Donc c'est vraiment cette question d'utilisation de l'énergie, de rendement, d'efficience. Hein, cette image, un petit peu, là, on se rend bien compte que malgré... Les jambes là, sur la photo qui ne sont pas d'une taille très volumineuse. Hein. Et pourtant, bah voilà, le stock est optimal. Donc là, on parle surtout de rendement, d'efficience en termes d'utilisation de l'énergie. D'accord ? Un rugbyman aura des gros mollets bien volumineux avec de gros stocks, mais ce n'est pas forcément lui qui courra le plus vite sur 10 km. Donc voilà un petit peu pour introduire l'endurance et la performance. Sur des paramètres comme l'énergie, l'utilisation d'énergie qu'on reviendra souvent sur ma partie à moi. Pour démarrer, commençons par un petit peu déjà l'adaptation à l'entraînement d'endurance. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans notre corps? Comment le corps s'adapte? Et puis, quels sont les paramètres qui vont s'adapter à l'entraînement d'endurance? Donc, j'ai pris l'exemple d'un athlète moyen. Voilà, avec l'entraînement en endurance, beaucoup de paramètres vont évoluer dans le bon sens, vont augmenter. Si on prend par exemple des facteurs plutôt centraux, des adaptations centrales comme le cœur, voilà, le débit cardiaque va augmenter. Donc vraiment le volume sanguin éjecté par minute dans l'organisme va être aussi amélioré. Donc on ne va pas passer en revue tous ces paramètres-là, mais il y a des paramètres vraiment importants, comme par exemple la différence artéro-veineuse en oxygène, donc vraiment la différence en oxygène entre une artère riche en oxygène et une veine pauvre en oxygène. Donc plus la différence est grande, plus ça veut dire que le corps a bien bossé et les muscles ont bien consommé l'oxygène. Donc ces paramètres-là vont directement être influencés dans le bon sens par l'entraînement en endurance. On parle aussi du ventricule gauche, donc là on parle plutôt d'hypertrophie. Le cœur c'est un muscle, donc avec l'entraînement en endurance, il va aussi augmenter. Des adaptations aussi périphériques, où là par exemple, on retrouve par exemple une densité mitochondriale, donc ces mitochondries qui sont des petites organites dans les cellules musculaires, qui sont, pour imaginer un petit peu, des usines à production en termes d'oxygène, donc... on en a dans les cellules musculaires, on en a beaucoup besoin. L'entraînement permet d'en avoir un petit peu plus. Et puis, c'est vraiment ces organites-là qui fabriquent notre oxygène et puis pour produire de l'énergie. L'énergie, si on en parle, on reprend maintenant l'exemple de notre athlète, là, Kylian Jornet.
si maintenant on zoome un petit peu, voilà, on a une contraction musculaire, on a vu, hein, on parle de contraction musculaire répétée avec l'endurance. Donc si on fait un petit peu un zoom sur un muscle comme ça, ben, l'énergie qu'il faut pour faire cette contraction musculaire, on parle d'une molécule qui est très très riche en énergie, donc l'ATP, adénosine triphosphate. Je ne vais pas vous embêter avec tous les termes chimiques, mais voilà, que vous vous rendez un petit peu compte que l'énergie vient de cette molécule-là. Et pour produire cette énergie, le corps, au fur et à mesure de l'effort, il a plusieurs moyens d'y parvenir. Et c'est maintenant qu'on va rentrer un petit peu dans les détails de tout ça. Pour produire de l'énergie, voilà ce qu'il fait. Donc, je vous rassure, hein, on va pas rentrer dans les détails de tous les éléments chimiques. Et ça, c'est uniquement, il faut imaginer que la carte pourrait avoir la taille de l'ensemble de la pièce. Là, c'est juste un zoom sur les filières qui vont nous intéresser aujourd'hui, hein, dans la production de l'énergie à l'effort. Donc, on va essayer de simplifier ça, de vulgariser ça sur quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, on est toujours avec notre athlète, Kylian Jornet, on fait toujours un zoom. Cette fois, vraiment, on est au sein d'une cellule, de sa fibre musculaire, et puis un petit peu, voir un petit peu comment l'énergie est produite pour cette contraction musculaire. Dans des efforts très, très, très courts, 5 à 10 secondes, grand max, le corps, il a la possibilité d'aller chercher de l'énergie très, très rapidement, vraiment avec une grande, grande puissance. Donc, vraiment disponible immédiatement. On appelle ça la phosphocréatine, donc PCR. On a parlé avant de cette molécule riche en énergie, l'ATP. Hein, là, on produit un ATP, d'accord ? Mais c'est disponible immédiatement, directement, sur des efforts très, très, très courts. Hein, donc, des efforts maximaux sur 5 à 10 secondes, d'accord ? Heureusement, l'organisme, il est flexible, il y a d'autres solutions. Donc, si l'effort se prolonge, il y a d'autres filières qui vont se mettre en place. Hein. On va, par exemple, oxyder le glucose, le sucre, dégrader le sucre. Donc, ça va vraiment être de l'énergie aussi disponible. On voit qu'à la fin de cette filière-là, on va l'appeler la filière anaérobie, il y a 3 ATP. D'accord ? Donc, cette molécule est riche en énergie, on en a 3 à la fin. Cette filière-là, très utile pour des efforts, allez, jusqu'à une minute. D'accord ? Anaérobie, donc sans oxygène, donc vraiment une réaction chimique et une production d'énergie sans oxygène, d'accord ? Au sein de la cellule. Et puis, là, peut-être vous avez déjà entendu parler, là, la transformation du glucose justement en énergie, la réaction chimique s'appelle la glycolyse, d'accord ? Donc on a synthétisé au max, mais il y aurait 10 réactions supplémentaires, hein, pour produire cette énergie-là. Et puis, le produit final de cette réaction, le lactate. Et ça, je suis sûr, vous avez sûrement déjà entendu parler du lactate. Hein. C'est des choses qu'on peut aussi mesurer dans le sang durant l'effort. Un paramètre qui a été longtemps considéré comme un paramètre de la fatigue. Hein. Donc, ça n'est pas du tout. Hein. Le lactate n'est pas du tout un paramètre de la fatigue. Au contraire, il aide à la performance, il aide à continuer un effort. on le voit ici. C'est la seule et unique fois où j'ai mis les sous-produits d'une réaction, hein, parce que voilà, c'est pas le but de rentrer dans les détails, mais le fait de produire du lactate durant un effort intensif, des sous-produits sont produits, et ces produits-là, ces sous-produits, retournent dans la glycolyse, aider la glycolyse. Donc en gros, plus on produit de lactate, plus notre glycolyse continue à mieux fonctionner. Un bon exemple, ce serait les coureurs de 400 mètres, hein, un effort aussi entre 40 secondes, 50 secondes, qui produisent énormément de lactate, donc ils ont vraiment une glycolyse qui fonctionne du feu de Dieu. Donc c'est vraiment pas du tout un paramètre limitant, mais plutôt déterminant, cette production de lactate. D'accord ? L'effort se rallonge, on est à plus d'une minute maintenant, un petit peu plus long. Et là, la filière qui va principalement nous intéresser aujourd'hui, la filière aérobie.
d'accord. Donc, cette production d'énergie, donc de cette molécule ATP, on voit qu'on est passé de 1 pour la première réaction, de 3, et puis pour la filière aérobie, on est à 30 ATP quand c'est le lactate rentre dans la mitochondrie. La mitochondrie, je l'ai dit avant, c'est vraiment la partie de la cellule où l'énergie est produite grâce à l'oxygène, d'accord. Et si c'est le glucose, du coup, ça fait toujours partie de la filière du glucose, on aura au final 30 ATP. Une autre source d'énergie, une grosse source d'énergie, serait les lipides, donc les graisses, qui viennent depuis le sang. Les lipides rentrent dans la mitochondrie, puis après plusieurs réactions, on obtient 129 ATP. Donc là, on se rend bien compte que les lipides fournissent énormément d'énergie durant un effort, mais la réaction est beaucoup plus lente à se mettre en place. D'accord ? On se rend bien compte quand... Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette partie peut-être un petit peu bleue, parce que c'est des efforts au-delà de 1 minute. D'accord ? Si maintenant, on simplifie encore max ce que je viens de dire, imaginez un petit peu, on doit produire de l'ATP, on fait un effort très court. Imaginez l'énergie qui est disponible immédiatement, par exemple sur un sprint de 100 mètres, cette phosphocréatine va être disponible directement. Et puis on peut imaginer ici, ce serait le débit, donc la production d'énergie. Donc la puissance, elle est très grande parce qu'on a vraiment besoin d'énormément d'énergie dans très très peu de temps. D'accord ? Imaginez ça comme un robinet qu'on ouvrirait à fond sur 10 secondes. Et puis là, tout de suite, on aurait cette énergie-là disponible immédiatement. Et cette capacité-là, donc le débit, est directement entraînable avec l'entraînement. Si je prends par exemple mon exemple, sur 100 mètres, si je fais un 100 mètres à fond, je pense que mon robinet à moi correspond un petit peu à un robinet qu'on aurait dans les WC, et puis le robinet de Usain Bolt, ce serait un Kärcher. Donc c'est vraiment ça, comme ça qu'il faut imaginer ça, c'est vraiment cette capacité à produire de l'énergie en très très grande quantité. Si on prend notre oxydation du glucose, donc anaérobie, donc sans oxygène, on voit que la réaction est un petit peu plus lente. Le débit est aussi un petit peu plus faible, donc moins de production d'énergie. Et par contre, la capacité, donc on voit le stock ici, est plus grand qu'ici, parce que là, on parle d'effort jusqu'à 1 minute. D'accord ? Et puis, bien sûr, l'oxydation du glucose, cette fois-ci par voie aérobie, une capacité encore plus grande avec un débit cette fois aussi un petit peu plus moins grand, un débit un petit peu moins grand, et puis l'oxydation des graisses, un stock encore plus grand avec un débit encore inférieur, et ça tout en milieu aérobie, donc avec l'oxygène. D'accord ? Tous ces paramètres là donc par exemple la taille des robinets, à quelle vitesse on peut les ouvrir, le débit, tous ces paramètres-là, ils sont entraînables avec l'endurance, grâce à l'entraînement d'endurance. D'accord ? Cette petite slide, un peu en parenthèse, comme ça, un peu le mythe du lactate, parce que avant, la fatigue était directement, on mettait le doigt sur le lactate ou même l'acide lactique. On a vu maintenant que l'acide lactique n'est pas du tout produit dans ces filières-là, donc il n'y a pas du tout de production d'acide lactique durant l'effort, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas durant l'effort. Et le lactate, je l'ai dit plusieurs fois, n'est pas du tout un facteur limitant, mais plutôt un facteur de la performance. C'est un allié dans la performance. Et on voit que même quand il s'accumule, il continue, il peut voyager, changer de cellule extracellulaire, aller dans les muscles pour aider à la contraction musculaire, retourner dans le foie pour produire et synthétiser du glucose, dans le cerveau, dans les reins, dans le cœur. Donc, on voit là que le lactate, c'est de loin pas un facteur limitant à la performance, mais c'est tout l'inverse.
D'accord. L'acide lactique n'est absolument pas produit durant un effort. Maintenant, si on reprend un petit peu, ben, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, si on pourrait un petit peu mettre ça sur une formule, un petit peu ben, de la performance, on aurait que la performance d'endurance, c'est la puissance métabolique multipliée par l'économie de mouvement. Donc, l'économie de mouvement, c'est ben, voilà, la technique en course à pied, c'est la technique en natation, comment je pose mon bras, vélo, ce serait l'aérodynamisme, le coup de pédale, enfin, tous ces aspects-là qui sont très, très importants en endurance. Et puis, la puissance métabolique, ben, cette capacité à produire de l'énergie. D'accord. Donc, c'est clair, on souhaite qu'elle soit la plus grande puissance métabolique, mais cette puissance métabolique, elle est directement limitée par des paramètres limitants qui fluctuent suivant le type d'effort qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple d'un trail sur plus de 8 heures, eh ben, le paramètre limitant, ce sera plutôt comment la personne utilise ses substrats énergétiques, comme les lipides ou comme ça. Et sa capacité, par contre, maximale, donc on a en haut le VO2 max, donc la capacité maximale de la personne à consommer son oxygène, aura beaucoup moins d'impact qu'un paramètre comme l'utilisation, par exemple, de l'énergie ou de la résistance musculaire. Un bon exemple serait un cycliste ou bien un sportif vraiment doué avec un VO2 max énorme, donc par exemple 92 VO2 max, qui est vraiment une valeur très, très élevée, mais par contre avec des facultés au niveau de consommation des lipides pour continuer son effort durant de longues durées, très mauvaise. Et puis là, du coup, ben, son VO2 max ne sert absolument à rien. Si après une heure et demie, il a des crampes, au niveau résistance musculaire, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu l'exemple d'un gros moteur avec un châssis en Lego. Donc, à partir d'un moment, voilà, ça ne va pas aller. Donc ça, c'est directement influencé par le type d'effort qu'on fait. D'accord ? Pour vous donner peut-être une petite idée de... sur par exemple, des distances, si par exemple on est de 1500 mètres jusqu'à l'ultra, donc par exemple plus de 8 heures, on se rend bien compte que ces paramètres seront différents en fonction un petit peu de la distance. Sur un 10 km par exemple, sur ce schéma-là, si la jauge est remplie, c'est que le paramètre est très important. L'économie de mouvement, par défaut, j'ai toujours mis optimale. L'économie de mouvement doit toujours être parfaite. On souhaite une économie de mouvement parfaite. D'accord ? La technique de course, la technique à vélo, la technique en natation, ça, c'est vraiment des choses qu'on souhaite et que l'économie de mouvement est vraiment très, très importante. Ensuite, bah, pour un 10 km, par exemple, la capacité anaérobie, on a vu tout au début, donc c'est vraiment sur quelque chose d'une minute, bah, elle est quasi inexistante, hein, inexistante. Par contre, au niveau de la puissance métabolique, bah, là, on va chercher peut-être... Le facteur de ce VO2 max est très, très important sur un effort de 10 km. Beaucoup moins les facteurs énergétiques et cette résistance musculaire. Si on augmente un petit peu avec le marathon, eh ben là, l'économie de mouvement, toujours très important. Et puis, la puissance métabolique, eh ben là, au niveau de ces athlètes-là, donc là, on a vraiment des athlètes qui sont super forts avec, là, on a Eliud Kipchoge, donc c'est vraiment le meilleur marathonien du monde. Donc, du coup, à ce niveau-là, même cette faculté, cette capacité VO2 max est très, très importante. Et c'est là aussi la faculté aussi énergétique à, va être aussi importante. La prévention. Du coup, je vais essayer d'être un peu plus pratique, histoire de ne pas vous mettre KO avec la synthèse du lactate et tout ça. Bien. Du coup, je vais vous parler de prévention, et puis ça fait parfaitement suite à la performance, puisque un athlète qui va partir en quête de performance, il va forcément se fixer des objectifs, et pour atteindre ses objectifs, bien, il va devoir augmenter sa charge d'entraînement, il va devoir repousser ses limites. Ça peut concerner finalement... le coureur de semi-marathon qui voudrait se lancer un objectif de marathon,
Ça peut très bien être le nageur qui veut se mettre au triathlon avec une modification de charge, un changement d'activité. Mais ça peut aussi concerner finalement le champion du canapé Netflix qui voudrait simplement se mettre à la course à pied. Donc en fait, ces trois exemples-là, ils ont un point commun, c'est que on va avoir une modification de leur charge d'entraînement et les tissus ont une tolérance particulière qui va être mise à mal au moment de repousser les limites. Repousser les limites, ça veut dire se rapprocher d'une blessure, en fait. Et puis ça, c'est vrai quel que soit le niveau de pratique. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le thème blessure? Il y a forcément déjà les traumatismes, les chutes. Ça peut être entorse de cheville. Je laisserai juste le docteur Ankeller développer un peu plus ce thème après. Ou bien ça peut être de la surcharge. Donc, c'est vrai qu'en course à pied, on va davantage s'intéresser à la surcharge qui représente une plus grande partie. Et surtout, ce qui est important de retenir de tout ça, c'est que voilà, on est dans le cadre de la quête de performance chez un athlète ou chez quelqu'un qui veut débuter le sport. Et puis, on se retrouve finalement avec une limitation dans la pratique. Ça peut avoir un impact sur la motivation de la personne qui voudrait prendre soin de sa santé, ou bien des impacts un peu plus importants chez l'athlète de haut niveau ou professionnel qui pourrait justement mettre en péril sa carrière. D'où l'importance d'être attentif finalement à la prévention. Et puis, pour ce qui est de la prévention, moi, j'aimerais que vous repartiez d'ici avec peut-être deux, trois éléments à mettre en place, en tout cas des éléments auxquels vous pourrez être attentif dans votre pratique. Ça peut commencer déjà en amont par identifier les éléments qui pourraient avoir un impact sur l'apparition de blessures. Puis ici, déjà commencer à connaître son propre corps. Est-ce que je me suis déjà blessé? Est-ce que je suis sujet au syndrome de l'essuie-glace? Est-ce qu'une tendinopathie de cheville, j'ai déjà eu, peut-être à répétition aussi? Essayez de gérer un tout petit peu mieux. Donc déjà, la première chose, je pense que c'est de se connaître assez bien, de savoir à quel type de pathologie on est sensible. Mais surtout, voilà, on a tous des caractéristiques physiques différentes. On peut être souple avec peut-être une qualité musculaire un peu moindre, ou bien on peut être très très fort et puis très raide. Ça n'empêche pas que, quelle que soit notre caractéristique physique, on puisse avoir envie de changer d'activité. Qui dit que demain le bodybuilder voudrait pas se mettre à la course à pied? Moi, la seule chose que je verrais un tout petit peu compliquée, c'est que plus de raideur égale plus de charge sur les tendons égale plus de stress. Et sur une épreuve d'endurance comme la course à pied ou le trail, eh bien, on va avoir plus de souffrance de ces structures et un risque d'apparition de blessures majorées. On peut aussi s'intéresser à l'épidémiologie du sport que l'on veut pratiquer. C'est-à-dire que si on veut changer, par exemple, de la natation au triathlon, on va ajouter une charge d'entraînement qui va être très différente finalement. Donc, déjà s'intéresser aux pathologies les plus fréquentes dans le domaine dans lequel on veut pratiquer, ça peut être un moyen de prévenir dans la mise en place des exercices qu'on va pouvoir faire en annexe. On peut préparer sa condition physique déjà à mieux encaisser les charges qui nous attendent. Et puis, ça dépend aussi finalement des contraintes du sport en lui-même. C'est-à-dire qu'on peut faire de la course à pied en courant à plat sur des surfaces très lisses, comme on peut faire du trail et puis courir dans les cailloux dans la montagne. Et puis, les deux ne vont pas exposer au même risque de blessure. Donc, c'est important de bien identifier ces choses-là. Donc, on s'intéressera surtout à savoir s'il y a du dénivelé. Quel type de surface? On peut regarder aussi la technique de course, le type de chaussure aussi peut avoir un impact. Et toutes ces choses-là, en fait, on va les prendre en considération au moment de commencer la nouvelle activité physique pour se mettre à l'abri de l'apparition de blessures. Cette slide, elle est assez importante et je pense que c'est le premier pilier dont il faut prendre conscience. C'est que s'entraîner, pratiquer une activité physique, ça représente une charge d'entraînement. Et déjà, si on arrive à calculer sa charge d'entraînement, on peut se mettre à l'abri de pas mal de petites blessures bêtes. À savoir que, si je reprends l'exemple, par exemple, du coureur de semi-marathon qui veut se mettre au marathon, il va avoir une modification du volume d'entraînement. Donc vraiment,
On va passer de 21 km à 42 km. Et puis, que ce soit au niveau de son entraînement ou au niveau des compétitions qu'il va viser, sa charge d'entraînement au niveau du volume va être modifiée. Derrière le volume, donc, on met vraiment la quantité. On met la durée des épreuves ou des entraînements. On va mettre le nombre de répétitions. Mais il faut aussi s'intéresser à l'intensité. Et puis, l'intensité, elle peut être très différente, comme par exemple sur la slide précédente, entre celui-ci qui va courir à plat sur un sol dur et régulier et celui-ci qui va courir dans les cailloux. Pourquoi on parle de ça ? Parce que souvent, il est difficile d'identifier l'intensité d'une activité. À savoir que l'intensité, elle peut se caractériser par le volume, le dénivelé de l'activité qu'on va pratiquer, le terrain, et puis ça peut aussi être au niveau de la technique. Est-ce qu'on va avoir une fréquence de course plus rapide, des grands pas, des petits pas ? Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la course, sur la charge d'entraînement. Et le troisième élément qui me paraît important à prendre en considération, c'est vraiment la fréquence. Comment on va planifier l'entraînement ? Est-ce que du jour au lendemain, on va passer du canapé à aller courir, chausser les chaussures tous les jours et puis se faire 20 km du lundi au dimanche sans s'arrêter ? Là, on va avoir un risque d'apparition de blessure qui va être quand même plus important. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre ces trois éléments-là et puis pour avoir une idée de la charge d'entraînement qu'on va avoir. On a la charge d'entraînement, mais il y a aussi d'autres choses auxquelles on peut être attentif, à savoir que tous les sportifs ne vivent pas de leur activité, même beaucoup prennent beaucoup de plaisir en loisir. On peut avoir aussi la charge de travail au niveau professionnel qui peut impacter l'entraînement, n'est-ce pas ? On peut avoir aussi d'autres éléments que de porter des charges lourdes. Pour la petite anecdote, le fait de rester debout 30 minutes, sans bouger vraiment, et représente une charge sur le genou plus importante que de marcher 30 minutes. Et si on pousse un tout petit peu plus loin, rester debout 30 minutes correspond à 56%, donc quasiment la moitié de 30 minutes de course à 11 km/h. Ça paraît rien comme ça, mais au final, rester debout une heure est équivalent à 30 minutes de course à pied. Imaginez quelqu'un qui est dans la vente, qui reste debout toute la journée et qui veut aller courir à la fin de la journée, doit forcément calculer, prendre ça en considération. L'enjeu avec ça, c'est qu'on aurait tendance à ne pas considérer ces charges-là. Et puis, je parlais juste avant de fréquence d'entraînement, donc on peut parler de planification. Je vous ai mis ici en image le tableau qui représente la répartition de l'entraînement sur la semaine. Donc on a une session d'endurance, une session de fractionné et une sortie longue. Comment on va répartir ces blocs sur la semaine ? Quel temps de récupération on va mettre avec quel bloc ? Est-ce qu'il vaut mieux tous les faire d'un coup et se reposer 4 jours derrière ? Ou est-ce qu'il vaut mieux justement mettre un tout petit peu de repos après chacun ? Eh bien, on va se baser sur l'intensité du dernier entraînement pour déterminer le temps de repos nécessaire avant le prochain entraînement. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, selon les caractéristiques physiques de chacun, selon l'historique de blessure ou même la préparation nécessaire pour s'adapter à une nouvelle activité, ça peut être intéressant de rajouter un programme de prévention à ajouter à l'activité principale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller en salle de fitness et puis de soulever des poids lourds, en fait. Et ça, il faut trouver un moment où le mettre aussi dans sa semaine. Parce que le sportif d'endurance qui va vouloir courir plus longtemps, courir plus vite, il aura tendance vraiment à avoir envie plutôt d'être à l'extérieur et à travailler ces spécificités-là. Petit astérix là, juste pour dire que le sport vraiment en salle de fitness et en complément de l'activité principale est très important. On y reviendra un tout petit peu après. Si on ne respecte pas la fréquence, si on ne respecte pas l'intensité et puis qu'on dépasse la charge d'entraînement tolérée par les tissus, on peut se retrouver dans un contexte de surentraînement. Alors, je fais la parallèle un tout petit peu avec la performance. Mais si on continue cette courbe qui descend progressivement vers la perte de performance, on peut se retrouver dans un état où les structures n'arrivent plus à suivre. Et c'est là qu'arrive la blessure. D'où l'importance de vraiment bien planifier, bien calculer sa charge d'entraînement, que ce soit volume ou intensité.
Avant de parler de récupération, je vais passer la parole à Ariane. Et puis, j'aimerais te demander si tu es attentive à ta prévention de blessures. Est-ce que tu as mis quelque chose en place pour justement pouvoir durer, t'entraîner, ne pas être limité pour atteindre tes objectifs? Tout ce que tu pourras nous dire là-dessus. C'est bon, je crois qu'on m'entend. J'ai pas beaucoup de voix, donc on va profiter du micro. Du coup, moi, par rapport à la prévention, j'ai intégré dans ma pratique d'avoir des rendez-vous physio, ostéo ou des massages, des soins toutes les 3-4 semaines à peu près quand je suis hors période de blessure, parce que les blessures arrivent. Et en période de blessure, ben, évidemment, c'est plus régulier. Une autre chose que j'ai appris et intégrée, c'est à écouter le corps et à accepter le repos et à vraiment discuter et créer une relation de confiance avec mon entraîneur pour pouvoir lui faire des retours sur chaque entraînement qui puisse adapter la charge derrière. Comme il disait, vraiment après chaque session, j'ai un retour écrit à faire et puis ça va impacter sur la suite. Aussi, de par mon métier, je suis infirmière et je travaille actuellement dans un service d'ambulance. Donc les journées, on a un horaire de 12 heures, mais on ne sait jamais quand elles se terminent. Donc possiblement, si je fais une journée de 14 heures et que j'avais un petit entraînement prévu le soir, je ne vais pas le faire. Et il va devoir réadapter la charge derrière, que ce soit en augmentant ou en diminuant la charge selon les besoins de la planification et mon énergie à moi. Et puis sinon, il y a tout ce qu'on peut faire par soi-même sans forcément aller voir des gens, devoir organiser des rendez-vous, mais au quotidien, qui est dans les étirements, l'automassage. Il y a des appareils maintenant, des complexes, des pistolets de massage, mais rien qu'avec un rouleau à pâte, avec des choses comme ça, on peut se masser et faire des soins au quotidien qui peuvent nous aider à prendre soin de nous et à prévenir les blessures. Tout comme ce qui est dans l'alimentation, donc on n'en parle pas beaucoup ici, on ne développe pas beaucoup, mais d'être attentif à couvrir ses besoins et ses apports. Et puis, après une séance d'entraînement, de pouvoir recombler le manque énergétique, qu'est-ce qu'on a dépensé, amener suffisamment de protéines, de matières grasses à notre corps au quotidien. Donc, à nouveau, moi, j'ai les défis de mon métier où on ne sait jamais à quelle heure on pourra manger, mais d'être attentive à ça, ben, au moins sur mes jours de repos et puis mes jours de travail, de pouvoir combler au maximum l'imprévu et puis couvrir ces besoins-là. Et puis après, il y a encore une chose qui est hyper importante pour la prévention, c'est le sommeil. Donc, à nouveau, un défi dans mon cas, mais c'est vrai que plus on réussit à avoir une régularité dans ses heures de sommeil, à en avoir suffisamment. Parfois, on parle même chez des sportifs d'élite de 1 heure de sommeil supplémentaire par heure d'entraînement. Alors, il faut quand même réussir à les couvrir, hein. Mais ça peut être de la sieste ou du repos dans la journée pour les élites qui ne travaillent pas forcément. Mais pour un monsieur, madame, tout le monde, ou un sportif, que ce soit populaire ou à haut niveau, qui travaille à côté, ça serait d'avoir ses 7, 8 heures, 9 heures de sommeil qu'il a besoin selon ses propres dispositions. Et ben, comme j'ai dit, c'est un défi dans mon cas, parce qu'il y a le travail de nuit, les changements d'horaire, et puis ben, il faut réussir un peu à essayer de cocher le maximum de cases possibles sur cette prévention pour pouvoir pallier justement un peu à tous ces petits défis et imprévus. Merci, ça correspond parfaitement finalement à ce qu'on a dit avant, c'est que manager la vie professionnelle et l'entraînement, ça peut être un défi pour certains. Et puis ben voilà, quand on a un travail irrégulier, un travail nocturne, c'est compliqué vraiment de se reposer suffisamment. Et puis, tu me permets de faire parfaitement le lien avec ce dia. Donc on voit un peu de tout hein, là-dedans. Voyons. Il y a du massage, comme tu as dit, automassage. On voit du TENS, on voit de la nutrition, du sommeil. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait un petit peu de tous ces éléments de récupération? Est-ce qu'on doit absolument tous les faire? Dans quel ordre? Eh bien, cette pyramide, elle est là un tout petit peu pour nous aiguiller. C'est-à-dire que, comme tu le dis, on peut utiliser un rouleau à pâtisserie pour se faire des automassages et c'est très important. Mais d'un point de vue prévention de blessures, ce qui va primer en priorité, c'est vraiment les bases de cette pyramide. Donc, bien manger, bien s'hydrater, bien dormir, ça paraît tout à fait bateau. Mais si on creuse un petit peu, je ne suis pas sûr que tous les sportifs respectent déjà cette première règle. À partir du moment où on est au point là-dessus, on peut se permettre voilà, d'aller chercher des éléments adjuvants pour optimiser la récupération.
que ce soit de faire du cupping ou de poser des tapes, on peut... Alors, peut-être pas de manière aussi extrême. Mais voilà, quand bien même certains éléments de cette pyramide peuvent être controversés dans leur efficacité, ils peuvent toujours apporter quelque chose aux sportifs, même si c'est d'un point de vue placebo. Donc voilà, la priorité se portera toujours là-dessus, c'est-à-dire que avoir ça sans avoir ça, c'est même pas la peine d'y penser, ça ne va rien faire du tout. Et puis, toujours dans la prévention, toujours dans l'adaptation un petit peu de la préparation de son corps à l'activité physique qu'on va pratiquer ou que l'on pratique, ben voilà, un programme d'exercice, mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'il faut tous les jours faire quelque chose le matin? Est-ce qu'il faut deux fois par semaine aller pousser très lourd à la salle? Est-ce qu'il faut s'échauffer? Est-ce qu'il faut s'étirer à l'échauffement? Tout ça, c'est des questions finalement à laquelle il est difficile d'avoir des réponses puisque tout le monde a un petit peu ses routines. Le sportif, il est superstitieux. Il va préférer mettre en place ce qui lui plaît à lui plutôt que d'aller chercher dans la science. Et entre sportifs, on se transmet des fois ben voilà, des conseils qui vont bien aux uns aux autres. Moi, ce que je dirais, c'est que toutes ces choses-là, ça doit être absolument individualisé. Certaines n'ont pas 15 minutes tous les matins à consacrer à un peu d'assouplissement, un peu de tonification musculaire. Ils l'auront plus facile, ben voilà, hein, peut-être que c'est ton cas, d'aller à la salle une fois par semaine plutôt qu'avec un rythme qui change, d'avoir ce créneau régulier quotidien qui soit dispo. Donc voilà, juste pour dire que tout est possible en termes de mise en place du programme de prévention. Il faut juste prendre en considération le rythme de vie et puis la réalité du quotidien de chacun. Puis voilà, moi j'aimerais quand même parler un petit peu de force dans le sport d'endurance. C'est pas l'endroit préféré des sportifs d'endurance, la salle de muscu, c'est clair. On préfère être au grand air, aller galoper et surtout éviter de se retrouver avec des gaillards qui se regardent les biceps dans le miroir. Ça, je pense que... On aurait tendance à fuir un tout petit peu cette population-là. Et pourtant, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel d'aller travailler à la salle, ou en tout cas d'avoir du matériel à la maison, ou même de s'adapter pour pouvoir travailler la force. Parce qu'on peut avoir un impact sur différentes choses. Déjà, sur les blessures traumatiques. Si on améliore la force maximale, on améliore la fonction neuromusculaire. Sur le plan proprioceptif, on peut réagir beaucoup mieux quand on descend dans un ravin plein de cailloux si on est fort et qu'on réagit vite au changement de position de la cheville que si on n'est pas entraîné du tout. Sur les blessures de surcharge également, en fait, on peut tout à fait optimiser la tolérance à la charge des structures musculaires, tendineuses et même osseuses. C'est-à-dire que porter du lourd va permettre aussi de renforcer les os. Les os seront beaucoup plus résistants à des charges répétées, surtout sur des très longues distances. Voilà, une fracture de fatigue, ça peut arrêter un sportif pendant 3 à 6 mois, selon la gravité. Donc, on a tout intérêt à aller progressivement habituer les structures à se renforcer, à résister à des charges lourdes et contrôlées, plutôt que de s'exposer à des blessures. Donc vraiment, moi, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la nécessité d'aller s'entraîner en force à côté de l'endurance. Puis j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser d'avoir un petit exemple, alors encore une fois, hein, qui est un exemple, hein, ça pourrait correspondre à certaines personnes, pour d'autres il faudrait l'adapter, mais un exemple de programme de prévention finalement. Et puis comme on parle de trail, je pense que le syndrome de l'essuie-glace doit parler à pas mal de monde. Cette petite douleur qui siffle sur le côté du genou, on ne sait pas trop d'où ça vient, et puis ça fait mal à la descente surtout. Du coup, dans ces conditions-là, on pourrait imaginer que tous les matins, si la personne a le temps, elle puisse renforcer eh bien, ses fessiers, faire du travail isométrique pour améliorer la tolérance à la charge de ses tendons rotuliens, et puis améliorer sur le plan neuromusculaire un petit peu le contrôle voilà, de son membre inférieur en unipodal et puis la position de son genou quand il descend. Donc ça, c'est tout à fait envisageable de le faire de manière quotidienne. Et puis, voilà, ça prend 10 minutes maximum, même 15 minutes. Donc il suffit juste de prendre l'habitude de mettre en place cette routine et puis compléter une à deux fois par semaine, aller en salle et puis pas hésiter à soulever des poids très très lourds.
Donc ça peut être sur de l'haltérophilie, ça peut être sur d'autres types d'exercices, mais c'est vrai que l'haltérophilie a quand même l'avantage de favoriser la proprioception, c'est-à-dire ben voilà, la notion de son corps dans l'espace, donc améliorer l'équilibre et puis préparer les structures à réagir en cas de déséquilibre aussi. Puis compléter avec un tout petit peu d'assouplissement des muscles fessiers qui peuvent être prédisposants pour la blessure du syndrome de l'essuie-glace. Si je vous laisse rentrer à la maison avec trois, alors vous n'allez pas partir tout de suite, hein, mais s'il y a trois choses que j'aimerais que vous reteniez, ça serait vraiment les trois piliers qu'on a vus. Anticiper, calculer la charge d'entraînement et prendre soin de sa récupération. Je pense qu'avec ces trois outils, déjà, il y a de quoi à pérenniser sa pratique, prendre du plaisir et aller chercher la performance. Malgré tout, on ne passe pas toujours à côté des blessures. On peut se retrouver confronté à un petit problème. Et du coup, je vais passer la parole au docteur Onkeler. Alors moi, je dois vous parler un petit peu quand ça ne va pas, malgré qu'on ait fait bien attention à tout ce qu'il fallait. Je vais juste aller dans le bon sens. Démonstration d'un manque d'énergie. Je préfère commencer par vous dire qu'il faut bouger et l'activité physique est importante. Hein, je vais vous montrer des choses où ça ne va pas à cause de l'activité physique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la balance du bénéfice de l'activité et puis les risques que vous prenez à faire du sport, la balance, elle est clairement sur l'activité. Parce que l'activité physique, elle va vous faire du bien sur votre santé, sur votre cœur, sur les muscles. Vous augmentez votre espérance de vie. On a aussi un bien-être plus global, psychique finalement, comme c'est indiqué ici sur le chapitre émotionnel. Pardon. Voilà. Sur l'émotionnel, on est moins déprimé, on est moins stressé, moins anxieux. On aurait peut-être dû aller courir un petit coup à midi pour avant de faire la présentation, mais voilà. Ça améliore aussi, par exemple, les capacités neuropsychologiques, la mémoire. On sait, par exemple, que des élèves, il y a des études qui ont été faites au Canada qui montraient que si les élèves remplaçaient des heures de maths par de la course à pied, par exemple, ou de l'activité physique, ils avaient les mêmes résultats. Donc, ils faisaient moins de cours, plus d'activité physique, et les résultats étaient les mêmes à la fin. Donc, un bénéfice global comme ça de l'activité physique, c'est le plus important. Après, il y a deux types de blessures, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il y a les blessures traumatiques. Alors, nous, on les voit, enfin, initialement, rarement. C'est des personnes, souvent, qui vont aux urgences. Quand vous faites une entorse de cheville, là, comme Alexander Zverev, un joueur de tennis à Roland-Garros l'année passée, il va aller aux urgences, ils vont faire des radios, ils vont commencer à mettre en place le traitement. Les choses sont, en général, plutôt assez claires et la suite est assez bien protocolée. J'ai vu, d'ailleurs, qu'il avait rejoué cette semaine. Après, il y a la chute, évidemment, ce qui peut arriver aussi en cycliste. Ce cycliste aura certainement quelques douleurs d'épaule le lendemain, voir si c'est plus grave, une fracture de la clavicule. Ensuite, on a vu tout à l'heure qu'il y a les pathologies de surcharge. Donc là, on parle de technopathie en particulier, c'est des pathologies qui sont en lien avec une activité. Donc favorisées par celle-ci, on sait que de répéter le même geste plusieurs fois, ben, petit à petit, on est soumis à des contraintes et puis ça peut commencer à être trop pour notre organisme, surtout si on n'est pas préparé ou si on a changé trop vite d'activité. Par exemple, un marathonien de haut niveau qui fait 2h10, il va faire 25 000 foulées. Donc, 25 000 chocs sur le sol avec son poids de peut-être 50 kg. Ils ne sont pas très lourds, les marathoniens. Mais après, on a peut-être le coureur populaire qui va faire 5 heures avec ses 80 kg. Vous voyez la charge que ça va faire sur les articulations. Surtout que le coureur populaire, il ne va pas faire 25 000 foulées, mais peut-être 50 000. On a un autre exemple, le Tour de France, ça représente à peu près 403 000 coups de pédale sur 3800 km de compétition. Donc là aussi, des gestes très répétés, toujours la même chose, qui à la longue, quand même, use le corps. Et puis, on a un autre exemple, la natation sur un triathlon, c'est à peu près 3,8 km, c'est à peu près 2800 mouvements de crawl. Donc vous voyez qu'on met notre corps à des charges quand même importantes. Ça a l'air de rien, mais finalement, avec la répétition, ça donne beaucoup. Un petit mot sur le trail. Donc c'est un petit peu la course à pied, le terme de course à pied à la mode. Je vous ai mis une petite définition. Donc le trail se définit principalement par son terrain naturel de pratique. Et puis on n'est normalement pas sur la route ou peu sur la route. Et puis il y a des terrains un petit peu plus ou moins compliqués avec de l'herbe, de la boue, de la montée, de la descente, etc. Petite anecdote, on a une course dans le canton qui s'appelle
qui s'appelait le défi du Val de Travers, hein, qui était une course à pied d'une septantaine de kilomètres. Maintenant, ça c'était en 94 que ça avait été créé, et puis maintenant on l'appelle le Swiss Canyon Trail. C'est toujours un peu la même course, sauf qu'ils en ont fait une un peu plus longue. On est dans le trend un petit peu de mode du trail. Après, on a trail et trail aussi. Alors, je me suis amusé à sortir le profil et la longueur d'une étape du Tour du Canton. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour le trail, parce que c'était l'étape de Marin qui était plutôt sur le béton. Mais on est à peu près à 10 km sur une étape du Tour du Canton, à peu près 200 mètres de dénivelé. Voilà, c'est comme un trail, hein, vous courez dans la nature et tout. Et puis, d'un autre côté, vous avez le Swiss Peaks, qui est une course en Suisse, en Valais, qui va sur tous les sommets un petit peu de Valaisan, qui est 367 km et 26 000 mètres de dénivelé. Donc, on est un petit peu dans l'extrême inverse, là. Il faut savoir que le vainqueur de l'étape du Tour du Canton, ben, il a mis 32 minutes. Et puis, le vainqueur de la Swiss Peaks, il a mis 85 heures. Donc, c'est vrai que là, on n'aura pas forcément les mêmes blessures, les mêmes problématiques. Mais ça, c'est toujours du trail, finalement. Alors, on ne va pas entrer dans les détails. Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires sur toutes sortes de blessures. En gros, on a vu, on a des blessures traumatiques, comme par exemple l'entorse de cheville. On a des blessures plutôt liées à la surcharge au niveau des tendons, comme l'aponevrosite plantaire, qui est un tendon sous le pied, si on veut, ou le tendon d'Achille avec des tendinites. On peut avoir aussi des douleurs articulaires, notamment au niveau du genou, avec le syndrome rotulien, ou bien le syndrome d'essuie-glace dont on a parlé tout à l'heure. Ou bien même des fois des fractures de fatigue. Et puis on a des choses un peu plus exotiques, comme cet exemple avec un ongle qui a souffert un petit peu d'une course. Moi, j'aurais une petite question pour Ariane. Savoir ce qui est le plus difficile pour toi au moment où tu te rends compte d'une blessure, soit accidentelle, ou tout d'un coup tu ressens une douleur de surcharge. Alors... Le plus difficile, bon, je pense que c'est au niveau émotionnel déjà. Quand on a une pratique du sport à haut niveau, il faut gérer la frustration, l'arrêt, l'émotion, la peur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la blessure tout de suite et combien de temps ça va durer. Après, il y a tout le côté analyse. Si c'est une blessure de surcharge, de pouvoir revenir en arrière, analyser et se remettre en question. Et en fait, des fois, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de faire face à la blessure. Après, moi, je suis plutôt dans le genre maladroite avec des traumatismes et malchanceuse avec des pathologies comme une aponevrosite plantaire, mais liée à des chaussures de travail. Donc, de nouveau, voilà, le plus dur, c'est des fois de l'accepter, la blessure. Et même si c'est frustrant quand c'est pas lié à une chute dans la nature, parce qu'on est maître plutôt dehors qu'à l'intérieur et que c'est lié à nos chaussures de travail, il y a ce côté de l'acceptation qui peut être une étape qui est assez longue et difficile, mais qui est essentielle. Merci. C'est vrai que ce n'est pas évident quand la blessure arrive et puis il faut réussir à la gérer. Maintenant, si je me suis blessé, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai mis 2-3 idées comme ça. Pour moi, ce qui est très important, une fois qu'on a cette blessure, c'est d'avoir un diagnostic précis. C'est plus facile à gérer et de savoir ce qu'on est en train de faire. Dans la prise en charge, on voit souvent chez le sportif, il se fait une petite blessure, une petite déchirure musculaire, il ressent un petit peu son tendon d'Achille. Chez le populaire, il va souvent arrêter de faire du sport pendant 2-3 semaines, et puis après, il reprend son sport comme si de rien n'était. Ça va une fois, ça va deux fois, mais après, il va avoir de plus en plus souvent mal, et puis après, on sera dans des situations chroniques qui seront d'autant plus difficiles à traiter. Donc, c'est toujours bien d'avoir, dès le départ, un diagnostic précis, et puis de mettre en place un traitement adapté par rapport à ce diagnostic. Après, en parallèle à la mise en place d'un traitement, surtout chez le sportif de performance, il faut réussir à maintenir ses capacités physiques. Un sportif, si vous lui dites d'arrêter et plus rien faire, ça n'ira pas. Il va tourner en rond, il va déprimer ou bien il va reprendre son sport contre notre avis. Et puis après, dans la dernière étape, c'est la reprise de l'activité sportive habituelle. Donc, j'ai redéveloppé un petit peu ces différents thèmes. Donc, le diagnostic précis, c'est une évaluation par un professionnel de santé. Alors, ça peut être le médecin, mais des fois, on passe d'abord chez l'ostéopathe, ou bien on va des fois chez le physiothérapeute parce qu'il nous connaît bien, ou bien on a un physiothérapeute dans le club qui va prendre ça en charge. Pour moi, ce n'est pas un souci si c'est des gens qui sont bien compétents. Ce qui est bien, c'est d'avoir affaire à des gens qui connaissent le sport. Peut-être l'un ou l'autre d'entre vous aura déjà été frustré une fois en allant chez son médecin ou chez quelqu'un qui ne connaît pas le sport, qui va lui dire « t'as mal après 10 km en courant, arrête de courir ». Voilà. Donc ça, on sait que ça ne passe pas. Hein. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a la sensibilité professionnel du sport
et qui connaîtra aussi les pathologies liées au sport. On parlait tout à l'heure des pathologies de surcharge, et c'est vrai que c'est des choses qu'on va voir plutôt dans le sport et qu'on ne voit pas habituellement chez monsieur, madame, tout le monde. Après, on peut être amené à faire des examens complémentaires pour essayer de préciser justement la blessure, l'importance de celle-ci et de sa nature, pour justement adapter la prise en charge. Alors pour les traitements, il y a toutes sortes de choses. Là, alors j'ai mis un peu la stratégie de traitement. Donc, le traitement, il peut être fait par différents professionnels. Ça va dépendre de la pathologie, justement. On doit se fixer des objectifs de traitement. D'abord, c'est d'abord soulager la douleur, diminuer la douleur. Ça peut être, on l'a vu, du froid, une immobilisation s'il y en a une fracture, par exemple, la mise en place de tape. Je mets une petite parenthèse, si possible, éviter les médicaments. Ça aussi, c'est une des mauvaises habitudes des fois du sportif. Il a un peu mal, il prend un anti-inflammatoire, un antidouleur. Comme ça, il peut continuer de s'entraîner. Mais la blessure n'est pas guérie et va plutôt s'aggraver. Ensuite, il faut améliorer la mobilité de l'articulation qui a été touchée. Il faut maintenir la force ou récupérer la force si on a une déchirure musculaire. Il faut améliorer la proprioception et toutes les qualités qui auraient été altérées par la blessure. Et ensuite, on a cette reprise progressive de l'activité sportive. On a différents moyens. Alors, il y en a une liste extrêmement longue. J'en ai noté quelques-uns. Je vais peut-être juste vous dire deux mots sur ce qu'on appelle le BFR. C'est un petit peu la technique actuellement qui est la plus récente et puis qui est de plus en plus utilisée dans les milieux de la réadaptation. C'est une technique, vous voyez ici, l'idée c'est de couper la circulation dans le membre qu'on va entraîner. Donc on met un brassard qu'on va serrer comme quand on prend la pression et puis on diminue la circulation sanguine. Ça permet en fait de pouvoir entraîner un membre, même s'il est blessé, avec moins de charge. Donc si vous faites l'extension de la jambe ici avec 10 kg, parce que le médecin a dit que vous pouvez faire maximum 10 kg, vous l'entraînez à 10 kg, mais vous mettez le brassard, et puis ça fait comme si vous travailliez avec 50 kg, mais sans avoir la charge sur le membre. Donc ça, c'est une technique qui est assez récente, qui est beaucoup utilisée, qui est à la mode. Il faudra voir sur le long terme ce qu'elle nous apporte aussi. On peut aussi faire des fois des infiltrations. Actuellement, ce qu'on fait le plus souvent, c'est des infiltrations du propre sang de la personne pour essayer de créer des réparations, surtout sur les tendinites chroniques, par exemple. Puis parfois, malheureusement, on doit faire aussi appel aux chirurgiens quand on ne s'en sort pas avec nos traitements conservateurs. Maintien de la capacité physique. Donc, il faut, si possible, chez sportifs, en plus d'élite ou professionnels, limiter au maximum le déconditionnement physique. Il faut maintenir le fonctionnement du cœur, des poumons, il faut maintenir la masse musculaire, maintenir la mobilité articulaire. Donc, on a différents moyens. On peut, pour un coureur à pied, aller courir dans l'eau avec une veste. Alors, c'est moins intéressant d'aller courir dans la nature et sur les sommets, mais ça peut être un moyen de maintenir les capacités musculaires, les capacités physiques et de s'entraîner. On peut, par exemple, aller faire du vélo d'appartement. Si on a une blessure à une épaule, on peut aller sans se tenir comme ça, mais en se tenant droit, continuer de pédaler ou avoir une activité. Ou par exemple, comme j'ai eu récemment une nageuse qui avait des douleurs en nageant le papillon, elle n'a aucune douleur en nageant la brasse, donc elle continue de s'entraîner en faisant la brasse, mais elle supprime le papillon de son activité. Et le jour où son épaule ira mieux et pourra reprendre un entraînement correct, elle pourra reprendre la nage papillon. Après, il faut prendre l'activité sportive habituelle. Ça, il faut essayer quand même de discuter. C'est souvent, alors peut-être plus chez les sportifs d'élite, un échange entre le patient, l'équipe médicale, le physiothérapeute, le préparateur physique, voire l'entraîneur. La collaboration avec l'entraîneur est souvent très importante aussi. Il faut aussi faire, j'y reviendrai, on a déjà abordé un petit peu avec Michael, l'évaluation de la raison de la blessure, pourquoi je me suis blessé pour éviter de la répéter, et puis toujours la progressivité dans la reprise de l'activité. Un petit conseil, je parlais tout à l'heure de ces blessures et puis qu'il fallait être attentif et pas banaliser des fois certaines blessures. Alors des fois, c'est difficile de faire la distinction entre une petite élongation musculaire ou bien des courbatures. Souvent, les sportifs, ils arrivent quand même à ressentir les choses. Mais si on a une douleur inhabituelle, je dirais, ou persistante, ça vaut la peine quand même de se poser des questions puis de se prendre en charge. Je vous montre juste un exemple ici. Si vous avez une fracture de fatigue qui est quand même relativement fréquente dans la pratique de la course à pied, si vous êtes attentif, vous avez la douleur, vous posez le diagnostic, vous restez 4-6 semaines en continuant de vaquer à vos occupations en arrêtant la course, vous êtes guéri. Parfois, si vous insistez un petit peu, on arrive avec une fracture qui est déplacée, qui va nécessiter une immobilisation plus longue, voire parfois une intervention. Et ça peut même aller ici sur ce qu'on appelle une pseudarthrose, c'est-à-dire que la
fracture ne guérit pas. Et puis, vous avez des douleurs sur le long terme. Et là, il n'y a plus qu'une solution, c'est d'aller opérer pour réparer la fracture. Donc, voilà, peut-être écouter son corps. Et puis, si on a une douleur qui persiste ou qui est inhabituelle, quand même, se poser des questions et essayer de préciser quel est le problème. Alors, la question pourquoi je me suis blessé, on l'a vu tout à l'heure, ça va aussi avec la prévention. Faut bien se poser la question, puis adapter la situation pour éviter de reproduire le même problème. Là, je vous montre une étude qui avait été faite chez des sportifs, je crois que c'était des footballeurs, où on augmentait la charge d'entraînement régulièrement d'une semaine à l'autre, et puis on augmentait la charge d'entraînement de façon plus ou moins importante. Donc on augmentait, par exemple, c'est des pourcentages en bas, donc si j'augmentais ma charge d'entraînement 10%, vous voyez, c'est le nombre de blessures, c'était relativement stable, qu'on s'entraîne toujours la même chose, 5% d'augmentation, 10%, il n'y a pas d'augmentation de blessures. Après, on voit qu'en dessus, si on augmente de 15% la charge d'entraînement, ben là, il y a nettement plus de blessures. Et c'est souvent une des erreurs qui est faite, c'est ces changements d'intensité d'entraînement. Je citerai juste comme exemple auquel j'ai été confronté par rapport à ça, c'est, je dirais, les blessures Covid. Il y a des personnes qui ne faisaient pas tellement d'activité, qui étaient occupées professionnellement, qui n'avaient pas de temps, qui tout d'un coup se sont retrouvés avec plein de temps devant eux, puis ils ont dit « je vais me mettre au sport ». Ils ont fait du sport de façon très intense, et ben ils ont fait des blessures de surcharge. Et typiquement aussi, c'est les blessures après les vacances. Ça, je vois pas mal chez les jeunes. Ils font un entraînement bien intense, bien organisé et tout, jusqu'aux vacances d'été. Ils font 6 semaines où ils font plus grand-chose, pas d'entraînement organisé et tout. Et puis, ils recommencent avec la reprise scolaire, avec l'entraînement, comme s'ils n'avaient pas arrêté. Et là, ils récidivent des douleurs de tendons, des tendinopathies assez régulièrement. Ça peut être un entraînement inadapté, ça peut être le matériel qui n'est pas adapté. Hein. C'est clair que si vous allez courir avec des chaussures comme ça, vous avez toutes les chances d'avoir un peu mal sur le devant du pied ou de faire une fracture de fatigue. Après, c'est peut-être des fois moins important. Hein. On change de chaussure. On a mis une chaussure en carbone parce qu'on va plus vite, mais il faut s'habituer aussi à ce changement. Il y a eu toute la période où on était sur le minimaliste. C'est un petit peu passé de mode, j'ai l'impression, j'en vois moins. Mais de passer des chaussures qui amortissent un maximum à des chaussures qui amortissent plus du tout, ben, il faut le faire progressivement. On a parlé tout à l'heure de la fatigue, hein, si on a trop d'activité et tout, la nutrition très importante, etc. Moi, j'aimerais savoir si pour toi, Ariane, il y a des blessures qui t'ont amené finalement à réfléchir à ça et à corriger certaines choses. Oui, alors je pense que dans chaque blessure, il y a des apprentissages que sur le moment, on ne voit pas forcément en positif, mais après coup, on peut voir le positif dans les blessures, dans le sens qu'on va modifier justement au niveau du renforcement, par exemple, au niveau du travail qui est fait pour rééquilibrer. Une entorse d'un côté peut provoquer finalement un déséquilibre sur toute la chaîne quand on fait du sport, même à plus ou moins grande dose, mais... Une articulation peut avoir un impact sur toute la chaîne et du coup, il va falloir rééduquer la jambe. Et puis aussi dans tout ce qui est, alors ça plus pour mon haut niveau, mais dans l'équilibre de ne pas tout miser sur mon sport. En fait, c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur de travailler à côté et d'avoir cet équilibre avec la famille, les amis. C'est que si on mise tout sur le sport et qu'il y a une blessure, la chute derrière, elle est très compliquée. Et d'ailleurs, cet équilibre entre ces différents domaines et différents loisirs et plaisir de la vie, bah ça permet de... c'est un apprentissage de la blessure, parce que quand on a une blessure et qu'on n'a rien à côté pour rebondir, elle est beaucoup plus compliquée à vivre. Et puis, ça permet aussi d'éviter tout ce qui est surentraînement, tout ce qui est... Voilà, vraiment cet équilibre entre les différents points. Et puis, chaque blessure amène aussi à réfléchir à la cause, et puis justement pouvoir faire les ajustements dans tous ces facteurs... dans tout ce qu'on peut, en tout cas, influencer soi-même. Merci, Ariane. Moi, j'ajouterais peut-être aussi juste, j'ai eu quelques fois l'expérience, finalement, où la blessure était positive. Alors, c'est clair que sur le moment, la personne est un peu déprimée, mais ça lui a permis des fois de se reposer, de faire d'autres choses, et puis de se reconstruire et de repartir peut-être mieux dans son entraînement. Il y a des personnes qui sont nettement plus performantes après la blessure, parce qu'ils ont réussi à reconstruire et prendre tout ça en compte. Une chose qu'on voit chez le sportif aussi, c'est qu'il faut apprendre à prendre le temps de se soigner. Alors on a des fois certaines pressions d'entraîneurs ou des choses comme ça, qu'il faut être guéri avant d'être blessé. Hein. Donc ça c'est difficile, il faut savoir que la nature a son rythme, il faut un temps de guérison. On ne fait pas des miracles quand il y a une fracture comme ici. Hein.
Le corps doit d'abord passer par une phase de cicatrisation, elle doit faire un cale provisoire, et puis après un cale définitif, et ça prend minimum 6 semaines. Hein, et on n'a pas le moyen de vous donner des médicaments qui vont refaire de l'os rapidement ou guérir la fracture. Donc ça, il faut savoir être patient et se donner le temps pour éviter, comme je vous ai montré avec la fracture du pied, arriver à des complications et des situations qui sont beaucoup plus compliquées et difficiles à traiter. C'est la même chose pour les blessures musculaires, par exemple. Après, on a plein d'autres pathologies hein, qu'on peut avoir par rapport à l'activité sportive. Peut-être juste être attentif aux problèmes cardiaques. On parle des fois de mort subite, de gens qui décèdent en pratiquant du sport. C'est heureusement extrêmement rare. Mais il faut faire attention chez la personne débutante, surtout la personne vers 40 ans qui avait fait du sport d'élite entre 20 et 30 ans, qui a tout arrêté et puis qui veut reprendre comme s'il n'avait jamais arrêté, mais entre deux, il a pris 20 kilos, il a fumé, etc. Là, il faut être prudent et peut-être consulter pour faire une évaluation de ses capacités. Si on a aussi, par exemple, des baisses de performance inexpliquées, hein, tout d'un coup, on devient nettement moins performant, ça peut être des problèmes cardiaques, de fatigue ou d'autres, ça vaut la peine de bien évaluer les choses. J'ai cité deux, trois autres choses, comme ça, en vrac, sur des choses auxquelles il faut être attentive, des choses qui se rapprochent un petit peu de la dépendance au sport. On a des personnes qui peuvent plus passer du sport quand vous devez commencer à aller vous entraîner en cachette de votre épouse parce que vous êtes tout le temps loin, vous refusez les liens sociaux, vous ne sortez pas le week-end parce que vous devez aller vous entraîner 3 fois. Donc là, il y a des fois des questions à se poser et à être attentif. Il y a le risque de surentraînement hein, quand on commence à s'entraîner très régulièrement et puis même un petit peu au-delà de nos capacités. On n'est pas tous égaux, on ne peut pas tous s'entraîner avec les mêmes capacités. Et puis, on va avoir des baisses de performance qui souvent a comme première réaction, c'est de s'entraîner plus parce que je suis moins performant, mais on entretient ce surentraînement. Après, juste pour l'anecdote, je vous ai mis ces lésions cutanées, hein, il y en a d'autres. Et puis, il y a par exemple des problèmes respiratoires avec de l'asthme d'effort et d'autres choses. Mais c'est toujours mieux de faire du sport que d'être sédentaire. Et pour moi, ce qui est aussi très important, et je pense que ça doit être assez sympa de trottiner dans ces paysages comme ça, comme Ariane le fait. L'important, c'est le plaisir dans votre activité. Merci. Alors, une période de questions-réponses. Merci de lever la main, on vous passe le micro pour pouvoir être enregistré pour le captage. Et ensuite, on passera à l'apéritif. Une première question. Alors, bonjour. Suite à une entorse, on met du froid, bien sûr. Après, j'avais entendu une fois que d'alterner les jours suivants chaud et froid. Est-ce que ça peut avoir une influence bénéfique ? Actuellement, l'idée, alors l'entorse de cheville, c'est quelque chose qui revient souvent et puis qui revient souvent et puis qui change assez régulièrement dans les attitudes. Moi, je suis plus adepte du froid, en tout cas pendant les 3-4 premiers jours. Ouais. Pour diminuer le gonflement, le côté inflammatoire et tout. Ouais. Merci, je crois que ça marche. Une question pour M. Barfous. Est-ce que vous étiez en hypoglycémie par hasard? Non. Je crois que la cause, c'était ça. D'accord. D'après ce qu'on m'a dit. Donc, une autre question. Vous avez parlé des lactates. On a longtemps admis que les lactates ou cru que les lactates étaient responsables des crampes. Vous en dites quoi? On dit que c'est pas ça. Je pense que comme je l'ai montré avant, le lactate est aujourd'hui plutôt un allié qu'un ennemi. Donc c'est en tout cas pas lui qui est responsable des crampes, pardon. Et les crampes, ça fait partie un petit peu, on ne sait pas trop ce qui se passe hein, quand on fatigue. Hein. À un moment donné, le corps il veut plus. On débranche la prise comme moi avant. Et puis, c'est encore des choses qui sont inexpliquées. La science ne met pas le doigt aujourd'hui sur qui est-ce qui est responsable de la fatigue. La littérature, la littérature,
structure actuelle, elle émet environ 9 paramètres qui sont fatigables hein, à l'entraînement. Et tout dépend du type d'effort, c'est jamais la même chose, jamais. Alors qu'on est vraiment incapable de dire aujourd'hui, c'est ça le facteur déterminant de la fatigue. Encore au sujet de lactate, quand on fait un test de seuil aérobie anaérobie, on admet que le taux de lactate, la concentration du taux de lactate est de quelque chose comme 4 nanogrammes par litre ou par mole, je ne sais pas. Et ensuite, à partir du moment où ça augmente, on est déjà presque anaérobie. Alors, c'est une bonne question. J'entends, ça contredit un petit peu ce que vous avez dit avant. Vous avez dit que le lactate était bienfaisant. Et alors là, c'est plutôt le contraire. Quand on trouve le lactate, ben c'est qu'on doit réduire l'effort. Mais c'est une bonne remarque. C'est pour ça qu'on pense encore aujourd'hui que le lactate, il est mauvais. Mais ce n'est toujours pas le cas. c'est simplement un indice à la performance. Donc, on se rend compte en fait, où est l'athlète en fonction un petit peu de son taux de lactate, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que, oh, attention, le taux de lactate augmente, il va, voilà, la fatigue va arriver. C'est pas un ennemi à ce niveau-là. Les 4 millimoles que vous dites, c'est une valeur un petit peu arbitraire qu'on a mis en place pour définir ce seuil. Mais aujourd'hui, si on lit la littérature, le seuil est défini par 30 paramètres différents, 30 noms différents. On peut pas, voilà, et puis à chaque fois, avec des vitesses différentes. Donc on parle plutôt de plage d'intensité de seuil. Par contre, ce que vous avez dit justement, c'est qu'on sait, en tout cas, au-delà de ce point-là, la fatigue va arriver très rapidement. Excusez-moi. Vous n'avez pas parlé de fréquence cardiaque. Je pense que ceux qui font la course à pied ou du trail n'ont pas tellement le temps de regarder leur fréquence cardiaque. Mais quand on fait du vélo, ben, on monitorise constamment la fréquence cardiaque. Autrefois, on disait, ben, tiens, il ne faut pas... Allez, il ne faut pas que la fréquence cardiaque s'emballe parce qu'on risque justement de se fatiguer beaucoup trop vite. Quel commentaire avez-vous à faire sur la fréquence cardiaque? Bon, maintenant, il y a la puissance qui est détectée par les pédales quand on fait du vélo, donc on se réfère aussi à ça. Alors, pour la fréquence cardiaque, c'est comme je l'ai un petit peu montré avant, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut un peu se comparer. Ce qui est sûr, c'est que la fréquence cardiaque, ce n'en est pas un. Donc, on peut déjà se soulager avec ça. C'est que comparer sa fréquence cardiaque maximale entre les jantes, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas du tout un facteur déterminant de la performance. D'accord ? Un athlète qui a une fréquence cardiaque maximale de 170 et un autre de 190 peut très bien avoir le même niveau de performance. Donc, voilà. À l'heure actuelle, ce n'est pas en tout cas un paramètre déterminant de la performance, la fréquence cardiaque. Oui, merci. Je profite quand même pour vous remercier de ce panel de discussion et de cette invitation et proposition du RHNE. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup parlé. C'est évidemment cette recherche d'équilibre entre charge et récupération. Je pense que, évidemment, les populaires comme moi qui ont plus de 50 ans et qui ont l'ambition de faire des choses qui durent longtemps, ça touche. Mais c'est difficile quand on n'est pas coaché professionnellement. Il me semble qu'on s'en rend compte quand on sort de la cible un peu trop tard. Et moi, ma question, c'était dans cette recherche d'équilibre, dans cette écoute du corps que vous avez évoqué, est-ce qu'il y a des indices que vous pourriez mettre en avant, un peu précurseur, sur le fait de sortir de la cible dans cet équilibre charge d'entraînement et récupération? Alors, c'est une bonne question, finalement, parce que il y a une grande partie intrinsèque, c'est-à-dire que la personne va avoir un ressenti déjà sur sa charge d'entraînement, un ressenti assez subjectif, de se dire, est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis en forme pour performer? Il y a ça qui peut être un élément assez important. Et puis, l'apparition de petites douleurs, comme en parlait le docteur Enkeler avant, peut être aussi un élément auquel on peut se rendre attentif. Et puis, on peut aussi s'intéresser à l'appétit, le sommeil, un petit peu voir comment
quelle influence en fait l'entraînement peut avoir là-dessus. Quelquefois, on ne va pas spontanément faire le lien, mais juste rester attentif à un bon équilibre, une bonne hygiène de vie, ça peut aider à identifier si on sort justement de cette charge d'entraînement tolérée. Après, il y a aussi un moyen de le savoir, c'est-à-dire que dès qu'on identifie un trouble dans un de ces éléments-là, rectifier un tout petit peu, diminuer un tout petit peu la charge d'entraînement peut avoir un impact sur le sommeil, l'alimentation ou la fatigue générale, en fait. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, finalement. Oui, bien sûr. Ça reste très modeste, oui, mais j'entends bien. Est-ce que l'envie de... Est-ce que la variation de l'envie d'entraînement vous semble être un indice? Ça peut être un indice intéressant. Après, là, on peut voir des fois d'autres choses. Par exemple, c'est des méthodes relativement simples, c'est de prendre sa fréquence cardiaque au repos. Des fois, quand on arrive dans une surcharge, une fatigue, on verra, par exemple, le matin, que la fréquence cardiaque au repos va un petit peu augmenter. Ça peut être un signe comme ça de vision. Après, il y a des choses plus récentes aussi sur les rythmes cardiaques, les variations du rythme cardiaque. Je pense que ça doit... Je ne connais pas encore exactement tout ça, mais probablement qu'il y a des montres maintenant qui peuvent calculer ça, puis vous dire attention, vous êtes un petit peu sur la fatigue, et puis il faut peut-être modifier un peu l'entraînement. Donc du point de vue un peu plus scientifique, on va dire, on arrive aussi à certains paramètres. Donc à entendre, le rythme cardiaque, s'il ne permet pas de mesurer ce qui a été évoqué tout à l'heure, ça peut être des pistes pour détecter quand on sort de zone entre l'équilibre, recharge et entraînement, c'est ce que vous dites, à explorer. Merci. Oui. Bonsoir. Ariane, une sportive comme vous qui fait des courses entre 40 et 100 km, est-ce qu'il y a une place dans votre entraînement pour des intensités? Et si oui, en fait, à quel moment en préparation? Est-ce que vous avez des intensités chaque semaine ou pas du tout? Oui, alors tout à fait, les intensités ont une place. Alors c'est sûr que je ne vais pas travailler de la même façon qu'un sprinter ou un 10 km, mais on va quand même travailler la vitesse, aussi les intensités pour renforcer au niveau du cœur. Ensuite, moi, les intensités, il faut savoir que je les adapte au terrain. Donc, on va plutôt faire des intensités dans le terrain de trail directement, que ce soit même à plat sur du chemin plutôt que de la piste, et puis des intervalles en montée, voire en descente aussi pour augmenter la vitesse dans ces zones-là. Et puis après, on va peut-être travailler sur des intervalles plus longs. Ça m'arrive de faire l'intervalle court de 15-30 secondes, mais la plupart du temps, on va peut-être chercher plusieurs minutes en côte pour vraiment travailler la fatigue, le renforcement en plus de la vitesse. Et tout au long de la saison. Bonsoir. Déjà, un grand merci pour ces explications qui étaient très, très chouettes. Et puis surtout pour le label. Et puis moi, j'avais une question concernant les chaussures. Vous avez parlé tout à l'heure de chaussures qui amortissaient, puis qu'on allait vers des chaussures qui n'amortissent plus. Donc au niveau de la fatigue de la plante du pied ou des muscles ou des chocs qui en sortent, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'on gagne à aller vers des chaussures qui sont plus dures que souples ou amortissantes. Ouais, alors, c'est tout un sujet, ça, la chaussure. Donc l'idée, c'était à un moment donné de passer sur des chaussures, ce qu'on appelle minimalistes, avec quasi courir pieds nus, en fait, de revenir aux gestes naturels. L'idée, c'est que en courant naturellement, on va redévelopper nos muscles, notre proprioception naturellement, et on va faire l'amorti nous-mêmes, en fait. On peut voir, il y a des études qui montrent, ça modifie un petit peu le type de foulée, des choses comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu une période où on en voyait beaucoup, et puis maintenant, ça a un petit peu passé, j'ai l'impression, de mode, mais il y a encore des gens qui font du minimaliste, il y a des gens autour du canton qui courent à pieds nus. Hein. Voilà, c'est une technique qui est aussi intéressante. Ce qu'il faut retenir, c'est que le changement rapide d'une méthode à l'autre, c'est pas bon, c'est là qu'on se blesse. Mais toujours être dans la progressivité. Après, l'amorti a aussi ses défauts. C'est accusé aussi peut-être de favoriser justement les tendinites du fait que le corps ne fait plus une partie du travail. Bonsoir. Merci pour cette présentation. J'avais une question. Est-ce qu'un entraînement intensif peut provoquer une usure un peu précoce des tissus à l'âge adulte, parce que j'ai entendu un peu les deux discours de personnes, soit qui arrivent très bien à durer dans le temps, soit qui à 40 ans disent bah, je peux plus courir, j'ai les deux genoux fracassés.
Voilà. Merci. Ben, c'est une bonne question. Et la réponse, finalement, elle est assez simple. C'est est-ce que la charge d'entraînement, le volume auquel on est habitué à courir, il est très différent de celui auquel on pratique. C'est-à-dire que si on a pratiqué toute sa vie, finalement, on stimule en fait l'hygiène et puis la santé des articulations. À moins de traumatismes qui viendraient justement provoquer des blessures plus importantes, le fait de pratiquer régulièrement améliore justement, la santé. Et comme on le disait tout à l'heure, finalement, même au niveau des os, soulever des charges lourdes viendra plutôt renforcer les os que causer des dégâts en soi sur le long terme. Je ne sais pas si... Merci. Ajouter une petite chose, c'est une question de quantité aussi. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser l'usure du cartilage. Bon, si on a des problèmes, les genoux très tordus, si on a un accident, etc. Et puis après, par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est même bénéfique. Les gens qui font régulièrement du sport, on n'a pas pu démontrer que de faire de la course à pied allait faire de l'arthrose plus précoce ou plus grave. Et puis, c'est une question de quantité aussi. C'est un peu comme les médicaments. Si on n'en prend pas assez, ça ne sert à rien. Puis si on en prend trop, c'est quand même pas très bon. Donc si vous faites des Swiss Peaks chaque semaine, ça risque de poser problème. Donc on doit être un petit peu entre deux. On a ces courbes en U actuellement dans l'activité. Pas assez, c'est pas bon. Trop, c'est pas bon non plus. Après, il faut trouver ce qu'est le pas assez et ce qu'est le trop. C'est... ça sera un autre sujet. C'est au sujet du métabolisme des graisses. Pendant des années, on a expliqué aux gens qu'il fallait faire un effort d'une certaine durée pour arriver à un certain résultat. Et puis, il y a pas mal d'articles qui sont sortis ces derniers temps sur le fait qu'on pouvait arriver à un même type de résultat avec des efforts complètement différents et des efforts beaucoup plus courts. Pas sûr d'avoir bien compris la question. Donc, avec des efforts beaucoup plus courts... l'utilisation du métabolisme des graisses. Je pense à la santé de monsieur et madame tout le monde. On a quand même une partie de la population qui est en surplus pondéral. Et puis, ces gens-là, on essayait de leur faire faire des efforts 30 minutes et plus. Mm-hmm. Et on s'est rendu compte maintenant qu'on arrivait à leur proposer des entraînements plus courts pour réussir à leur permettre de mieux et de plus facilement métaboliser les graisses pour arriver à trouver un poids plus adéquat. On pourrait détailler la réponse et passer un bon moment, mais peut-être pour simplifier, jusqu'à où j'ai réussi à aller dans ma présentation avant, je crois que je suis arrivé quand même à la diade des robinets. Imaginez un effort intense, tous les robinets sont ouverts, et du coup, simplement, le métabolisme, aussi, tous les métabolismes sont aussi utilisés à ce moment-là, donc plus que si on ferait un effort peut-être plus long avec des robinets moins ouverts. Et c'est ça un petit peu qu'on a démontré avec des efforts beaucoup plus intensifs. Enfin, au total, le débit énergétique, il est beaucoup plus important dans toutes les filières. Bonsoir. On va revenir encore un peu sur la charge. Je voulais savoir si, au sein de votre équipe, quels étaient les outils que vous utilisiez pour calculer l'intensité, ou en tout cas l'estimer, et si ces outils variaient en fonction de quel était le professionnel de santé qui l'utilisait. Est-ce qu'en prévention, vous allez en utiliser certains, en curatif d'autres, en réathlétisation encore d'autres? Voilà. Et puis, on ne parle pas de charge externe, mais de charge interne. Alors, en ce qui me concerne pour la performance, donc le suivi un petit peu de l'entraînement, donc ce monitoring un petit peu de la charge ou de l'intensité, des choses comme ça, je pense qu'on utilise aussi, j'utilise la même échelle que pourraient utiliser mes collègues, simplement une échelle de Borg de 1 à 10, avec simplement une perception à l'effort. 10 sur 10, ce serait vraiment un effort très intense, un effort maximal, et 1, 2, un effort d'endurance fondamentale très facile. Et ensuite, on peut pousser clairement un petit peu ce monitoring avec la fréquence cardiaque, avec la mise en place de zones d'entraînement pour délimiter, en fait, pour cette personne, pour cet athlète, pour ce profil-là, c'est quoi intense pour lui. Donc là, on est vraiment un petit peu dans du pointu.
Et puis, ça permet d'être beaucoup plus précis sur un petit peu, bon, là, dès le moment où on lui donne des choses à faire pour un petit peu estimer l'intensité. En tout cas, pour ma part. Et puis, dans l'aspect rééducatif, on va utiliser évidemment les mêmes échelles, mais plutôt l'échelle de Borg. Et puis surtout, lorsqu'on est dans un processus de récupération après une blessure, alors je parle plutôt sur la partie physio que prévention, on va se référer aussi à l'échelle numérique de la douleur, finalement. De savoir, est-ce que telle ou telle activité... alors plutôt, à quelle intensité cette activité a-t-elle pu être douloureuse, ou bien... Et adapter en fait la charge d'entraînement dans le plan de récupération pour qu'on reste dans une cible qui nous permette de garantir eh bien, le gain de résistance à la charge d'entraînement et stimuler en même temps la récupération des tissus. Donc on pourrait utiliser voilà, une échelle un peu plus subjective qui serait l'évaluation de la douleur, tout en reprenant également ce que mon collègue a dit juste avant. Peut-être une dernière question avant de passer à l'apéritif, puisque le temps tourne. Bonsoir. Ma question est la suivante. Jusqu'à quel âge peut-on pratiquer le trail? Toujours. Dans la nouvelle réforme de la retraite en France, ils interdisent les personnes de 64 ans de s'inscrire pour un trail. Ah ouais? Ils seront interdits de licence dans un club. D'accord. Alors, moi, j'ai vu des compétitions de course d'orientation, qui est un sport assez dans la nature et très, très populaire dans certains pays. Vous avez des catégories 90 ans et plus. Hein? Donc, il y a aussi, on voit régulièrement des records du monde de marathon. Des plus de 90 ans, hein, voire plus de 95 ans, il y a une compétition qui s'est mise en place chez des personnes âgées qui font des temps assez extraordinaires. Hein, donc, pour moi, il n'y a pas de limite. Merci beaucoup. Je vous invite à passer à l'apéro et peut-être d'applaudir nos intervenants du soir.